tout le monde, c'est Mehdi. J'espère que vous profitez de cette belle journée. En tout cas, pour l'instant, le soleil brille chez nous. On est mardi 6 août. Je remercie les nouveaux abonnés et puis toutes les personnes qui ont participé au live hier. On a évoqué certains thèmes. Je voudrais revenir sur un thème qui est vraiment pour moi, peut-être pas le plus important, mais franchement, ouais, il est sur le podium des trois thèmes les plus importants, ce sont les enfants. Alors, je vous ai mis deux liens dans la communauté. Il y en a un qui concerne l'excellente émission qui s'appelle Géopolitique profonde. Donc c'est la pédalophilie à l'école. Et c'est avec Farida Belghouli. Alors moi je ne la connaissais pas cette dame, je l'ai découverte. Franchement, bravo, elle est géniale. Donc allez l'écouter, ce qu'elle dit, c'est vraiment... comment dire? C'est une analyse vraiment parfaite de tout ce qui va arriver si on laisse faire. Donc je vous encourage vraiment à aller regarder et à aller partager cette vidéo, elle n'est pas très longue. Hein. Et puis l'autre, c'est celle de Philippe Gendron que j'ai découvert aussi, et qui est un monsieur vraiment tout à fait remarquable également, qui parle du plan qui va être, qui est en train en fait d'être mis en place. C'est pas qu'il va être mis en place, c'est qu'il est en train d'être mis en place par les élites. Et dedans, il y a une partie qui concerne les enfants. Les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, ce sont eh bien les futurs adultes qui s'occuperont de nous. Donc, bah écoutez, on va regarder. Alors, vous savez, en astrologie, on va regarder un peu ce que ça va devenir tout ça. En astrologie, il y a Pluton qui est entré dans le Verseau, comme vous savez. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Pluton entre dans la maison 5 de ce qu'on appelle du point vernal. J'ai fait tomber mon truc, c'est pas grave. Tombant pas plus bas. Et le Pluton en 5, c'est l'agresseur SEX sur les enfants. Enfin, pourquoi les enfants? Parce que c'est la maison 5. Donc, vous voyez que ce Pluton qui rentre en Verseau est très dangereux, vraiment, vraiment. Donc, non seulement il va changer les relations humaines, ça c'est dans la méthodologie de l'école de Hambourg, mais si on prend la signification des astrologues, on va dire traditionnels, eh bien, on a une autre info qui dit qu'il va y avoir de plus en plus d'agressions SEX sur les enfants. Voilà, les enfants en danger, mais d'un côté, enfin, vous avez compris quoi. Alors moi j'ai envie de regarder, est-ce que le programme qui arrive en septembre, vous savez lequel, on en a parlé suffisamment, le programme de l'Olympique des malfaisants de la santé, hein, donc qui va être mis en place dans toutes les écoles en France, en Europe en fait certainement, bon, moi j'ai plus des enfants en bas âge, donc, mais ça ne va pas être que la France, simplement là on parle de la France, mais en fait ça va être sur toute l'Europe. Eh bien on va regarder un peu si les parents vont réagir. Donc je vais prendre mon oracle et puis on ira prendre éventuellement bah, le Dixit, parce que le Dixit, il y a plein de cartes intéressantes. Oui, je prends mon café, voilà. Je prends mon café en votre compagnie. D'ailleurs, il faut que je boive un peu parce que sinon il va être froid. Bah, c'est les vacances, ça. Alors j'ai le droit de prendre mon café un peu tard. Sachant qu'il est 9h et qu'il y a une panne d'électricité juste avant. Donc c'est pour ça que je prends mon café tard, comme ça vous saurez tout. Alors, on va déjà poser comme question, savoir si les parents sont conscients. Alors, majorité, parce que évidemment, il y a toujours des parents qui sont conscients, mais on va dire, encore une fois, en majorité, est-ce que la majorité des parents est consciente de ce qui va arriver dans les écoles? Alors, je suppose vraiment que vous êtes au courant, parce que si vous ne l'êtes pas, informez-vous, c'est grave ce qui arrive. Hein. C'est très, très grave, puisqu'ils veulent mettre un programme pour les petits-enfants, déjà à partir du jardin d'enfants, quoi, donc à partir de 3 ans et plus, pour montrer un peu le Kama Sutra aux gosses, mais ça va même plus que ça, plus loin que ça, parce que pour moi, c'est carrément de la pornographie, quoi. P-O-R-N-O. Ouais, c'est ça. Ah, excusez-moi, je ne savais plus comment ça s'écrivait, ce mot-là. Bon, mais c'est ça, en fait, hein. Donc je vous dis pas la catastrophe sur le mental, la psyché, les émotions, enfin bref, sur le développement des enfants. Alors, est-ce que les parents ont compris ce qui arrive? Alors là, on jette un rêve à la poubelle et on ne peut compter que sur soi. Bon, ben ça, déjà, la coupe est pas mal. On ne compte que sur soi. Ouais, on jette des fleurs à la poubelle, hein. On jette ce qui est beau à la poubelle, hein. Bon, ça veut dire déjà que... Et les parents vont être laissés seuls. Ah, d'ailleurs, regardez en dessous, j'ai la criminalité qui est récompensée. Hein. Les parents vont être laissés complètement seuls face à ce problème. C'est important aussi de comprendre. Enfin, bon, il y a Farida
Belghoul qui le dit très très bien. Les parents ne pourront coter que sur eux-mêmes. Bon, mais on va regarder s'ils ont compris. Alors, est-ce que les parents ont compris? En majorité, j'insiste, parce qu'il y a évidemment une minorité éclairée. Ce qui va leur tomber dessus. Oh, moi, ça me fait de la peine pour les enfants, je vous assure. Les enfants ne sont pas responsables. Hein. Alors, une épée de Damoclès, oui. La trahison, oui. Le détective. Eh, tiens, c'est marrant, c'est un autre qui ressort, là. Bon, bah, ça vient de lui, encore. Hein. Enfin, pas que, mais... Ouais. Alors, attendez, faut que je réfléchisse. Est-ce que ça me parle de l'autre fou, là, ou est-ce que c'est par rapport aux gens? On va regarder. Des ponts, des relations qui sont construites entre les gens. L'ego. Ça, c'est la carte de l'ego, en fait. Hein. Oui. Les gens qui sont reliés par l'ego. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Bon, là, on a bien la carte. Il faut sauver les enfants. Ok. Bon, je suis dans le thème. On a l'épée de Damoclès. Ça, c'est une menace. C'est pas que sur une personne, mais c'est une épée, une menace qui pèse sur les enfants. Sauf que l'épée, là, elle va tomber quand même. Hein. L'ego. Ah oui, c'est ça, en fait. Ouais. En fait, le jeu... Bon, il ne me parle pas de l'autre fou. Hein. Non, le jeu est en train de me dire que ce qui empêche les gens de se réunir, c'est leur ego. En fait, là, il faut que les parents se établissent des liens. Sauf que on a déconstruit, justement, tout ce qui est relation humaine. Moi, je le vois déjà avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Hein. Ils sont tous le nez dans leur smartphone. Il n'y a qu'à Medjugorje que j'ai vu que les gens étaient non pas avec leur smartphone, mais avec leur chapelet. Donc, c'est un monde, un autre monde. Et ça fait vraiment du bien. Mais là, vous voyez, ce qui empêche les gens de se relier, c'est l'ego. Chacun se regarde soi. Bon. Donc, mais est-ce que les gens ont compris? Est-ce que les gens ont compris? Ah, ben, vous voyez ce que je vous disais. Hein, on est juste en train de parler de smartphone. Les gens ne communiquent plus. Bon, alors les gens ne s'informent pas non plus, puisque c'est communication gelée. Donc les gens ne savent pas, les gens ne le savent pas. Moi, c'est ça que je vois. Ignorance. Donc là, c'est nécessité d'aller chercher l'information et de s'apercevoir qu'il y a trahison et danger, vous voyez, sur les enfants. Donc les gens ne savent pas. Alors c'est même pas qu'ils ne sont pas conscients, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Bon, alors là, donc on va regarder. Ok, donc ça, c'est vrai que je n'étais pas consciente de ce problème-là, moi. On n'a pas informé les gens. D'accord. Alors, une fois que les gens seront informés, ou peut-être qu'il y aura un cours, malheureusement, parce qu'il va y avoir des dégâts, c'est évident. Donc, un cours, enfin, pas un cours, c'est même pas un cours, c'est un... Comment dire? Je ne sais même pas comment appeler ça, moi. Un cours de perversion, un... Ouais, enfin, bref. L'exposition de la perversion au cours de l'école, voilà. Qu'est-ce que les gens vont faire? Comment les gens vont réagir? Toujours en majorité. Est-ce que les parents vont réagir? Est-ce qu'ils vont laisser faire? Est-ce qu'ils vont dire, ouais, c'est l'air du temps? Ou est-ce qu'ils vont être choqués? Bah, l'automne, oui, effectivement, c'est à partir de septembre. Alors là, il y a des dégâts. Hein. Il y a des dégâts. Et là, on se surestime. Alors, on se surestime. Qu'est-ce qui est surestimé, là? Ah, tiens, attendez, ça, je vous expliquerai après. Alors. Bon. Je regarde encore un petit peu. Feu d'artifice. Bon, là, il me parle d'autre chose. Hein. Ah oui, il est reparti sur autre chose. Bon, alors, attendez, il faut que je me concentre, parce que là, on me dit qu'il va y avoir des explosions sur l'automne. Les feux d'artifice, c'est aussi les explosions, et qu'il y a des gens qui vont avoir peur. Bon, ok, mais ça, on s'en fiche. Moi, je voudrais rester sur les enfants. Les ondes. Ouais, ah oui. La prison. Bon, alors là, il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau des parents. J'ai le contrôle par les ondes, moi. Et là, le chat qui imagine être un lion. Bon, alors, le jeu, il est vraiment parlant. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir des dégâts monstres qui vont être faits au niveau des enfants. Qu'il y a des gens qui vont surestimer leur pouvoir. Alors ça, ce sont ceux qui auront l'esprit clair. Mais que la seule solution sera de partir à l'étranger. Et c'est ce que dit, en fait, cette dame. Hein.
Farida Belghoul, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, ceux qui peuvent, partez. Bah, c'est ce que le jeu me dit, puisque là, j'ai les aéroports quand même. Hein. Et là, ce sont les gens qui s'imaginent pouvoir, eh bien, changer les choses. Seulement, on ne peut pas s'opposer à un système. Sauf s'il y a des millions dans la rue. Mais là, on me dit qu'il y a un contrôle par les ondes, ce qui fait que les gens sont prisonniers. Ah ouais, mais vous savez qu'on a affaire à des gens, enfin des entités machiavéliques, hein, parce qu'ils ont pensé à tout, en fait. Ben voilà, regardez. Ah, c'est fou, hein. Ça, c'est une de mes cartes préférées. C'est la connerie humaine. Alors, c'est aussi, en fait, l'abêtissement, l'abrutissement, la bêtise. Donc, ça veut dire qu'avec le contrôle des ondes, on empêche les gens de réfléchir. Hein. Ben, c'est ça. Hein. Et donc, on les maintient dans une situation de comment dire, d'enfermement, d'emprisonnement. Bon, alors ça veut dire qu'à partir de l'automne, il va falloir s'attendre, pardon, à une attaque par les ondes. Moi, j'y crois beaucoup aux ondes. Il y avait Nikola Tesla. J'avais lu son journal. Hein, alors, je ne sais pas si on le trouve encore. Enfin, à l'époque, j'avais lu son journal. Et il disait que bon, il disait plein de choses très 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 intéressantes. Bon, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En fait, il arrivait à faire des créations dans sa tête. Donc toutes ces inventions, il les créait d'abord mentalement, et puis il les voyait un peu sous toutes les coutures, et donc il arrivait même à les faire fonctionner dans sa tête. Et quand il s'apercevait que la machine ainsi créée dans sa tête ne fonctionnait pas, eh bien il la réparait avant qu'elle soit créée en fait. Hein. Et donc en fait, quand il passait à la partie pratique, eh bien il savait que sa machine allait fonctionner. Ouais, non mais le gars était incroyable. Bref. Et donc dans son journal de bord, il disait qu'il avait trouvé le moyen de contrôler le cerveau. Et donc il avait été lui-même pas horrifié, mais il avait eu peur. Ouais, il avait eu peur de ce qu'il avait découvert et s'était empressé de détruire toutes ces notes, voilà, tout ce qui concernait cette invention. Et ça, c'était il y a quand même un siècle. Donc vous pouvez bien vous imaginer que les mauvais qui nous gouvernent dans l'ombre ont retrouvé très certainement la façon de contrôler le cerveau. Bon, donc effectivement, on peut contrôler le cerveau. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. C'est possible. N'imaginez pas que ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je crois qu'il y a un an de ça, j'étais tombée sur un ex-militaire qui disait qu'en fait, grâce aux fréquences basses, eh bien, ils avaient effectivement des machines mises au point. Alors, je ne sais plus si c'est la CIA ou notre organisme ou la NASA, enfin, j'en sais rien, dans lesquelles effectivement, eh bien, on pouvait contrôler les ondes. Donc, vous savez que tout ça, c'est très sérieux. Hein. Bon, faites vos recherches si vous ne me croyez pas. Mais moi, c'est ce que mes petites cartes, donc mon intuition, me dit. On peut rendre les gens idiots. Voilà. Et donc, eh ben, il y aura bien effectivement le pillage. Donc, ça va être un massacre. Hein. Et donc, alors, on va regarder pourquoi j'ai cette carte-là par rapport aux parents. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte-là? Les prophéties. Bon, ça, c'est l'élimination des consciences. Pourquoi pas, hein? Pas que, mais enfin, bon, il y a la vérité. Ça, c'est la vérité, le livre des prophéties. Alors, ça veut dire aussi que soit ça peut être des gens qui sont intelligents parce qu'ils ont des connaissances, une certaine. Un niveau intellectuel qui vient des livres, pourquoi pas, vous pouvez interpréter la carte comme vous voulez, hein. Ou soit ça veut dire qu'en fait tout est écrit dans les prophéties. De toute façon, il y a la notion quand même de lumière, donc j'ai envie de dire que les gens intelligents et éclairés, eh bien, vont comprendre ce qui se passe, mais est-ce qu'ils vont pouvoir réagir? Parce qu'en fait, c'était le but de ma question. Bon, ben voilà, regardez ce qui sort, hein. C'est verrouillé, hein. Voilà, ces gens-là ont pensé à tout. Je la sors très souvent en ce moment, c'est pas pour rien, hein. Et donc, moi, je pense que si j'ai sorti cette carte-là, le chat qui imagine être un lion, eh bien, c'est que les gens ne pourront pas avoir la force et le pouvoir nécessaire pour empêcher le massacre et que la seule solution, c'est effectivement de partir. Donc, en fait, j'ai répondu à la question, est-ce que les gens vont s'éveiller? Ben, en fait, une minorité, oui, mais ne pourra rien faire, sauf partir. Voilà, on va à l'étranger, on prend l'avion, hein, c'est ça. Et l'autre partie qui est apparemment sensible aux basses ondes, eh bien, elle sera vraiment manipulée. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont davantage sensibles aux ondes ou pas. Tiens, on va pousser le jeu dans ses retranchements. Alors, quels sont ces gens-là qui vont être davantage sensibles aux ondes?
Parce que moi, personnellement, inutile de vous dire que je ne le suis pas. Hein. Alors. Bon, effectivement, bon, les maisons, d'accord. Donc les ondes vont être envoyées dans les maisons, d'accord, on a compris. Pour tout détruire. Ouais, moi, ce que je voulais savoir, c'est qui sont les gens qui sont ciblés. Attendez. Ah bah d'accord. Secret. Alors, faut que je fasse gaffe à ce que je dise. Là. Le jeu est en train de me dire, il faut que je fasse attention à ce que je dise. Ah oui, ok. Bon, alors je suis vraiment surveillée apparemment. Hein. Bon, écoutez, je pense que vous savez ouais, vous savez un petit peu à quoi je voulais en venir. Hein. Je voulais juste savoir si les cartes allaient donner l'explication, mais l'homme surveille, hein, franchement. Hein. Bah, les gens qui sont sensibles aux ondes, je pense que vous pouvez deviner lesquels. Hein. Je peux pas le dire. Hein. On va dire si les gens ont compris une certaine mixture. Voilà. Bon, ok. Il y a quelque chose qui leur manque. Il leur manque quelque chose. Ouais, ce sont des gens qui se sont auto-sabotés. Hein. Vous savez bien ce qui s'est passé il y a 3-4 ans. Les gens ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Voilà. Bon, bah, ils vont tomber de haut ou pas, parce que s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, en tout cas, ça va être un vrai massacre. Bon. Je suis désolée, hein, je vous dis ce qu'il en est, moi. Je n'ai pas fait des études de psychologie. Oui, je n'ai pas fait que des études d'économie. Hein. Je me suis intéressée aussi à la psychologie. Donc, voilà, quoi. Je sais très bien ce que ça va donner. Hein. Les enfants qui ont cette éducation, je ne sais pas comment l'appeler, hein, mais cette perversion qui va être enseignée et montrée, vous n'imaginez pas vers quoi on va aboutir. Moi, je le vois. Je le sais. On va aboutir à des enfants qui vont devenir très violents, très agressifs, et qui vont être sexualisés, je vous l'avais déjà dit ça. Donc je ne vous dis pas les dégâts, quoi. Ce ne seront plus des enfants. Ce ne seront plus des enfants. Voilà. Et c'est irréversible. Hein. C'est le problème. C'est comme de la neige, vous savez, j'avais déjà évoqué cette métaphore. La neige. Vous connaissez, quand la neige, elle tombe, c'est magnifique, c'est blanc, c'est immaculé. Bon. Bah, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec ses gros sabots, et puis la neige, elle est souillée, quoi. Voilà. Bah, c'est comme ça. On ne peut plus réparer après. C'est fini. C'est ça, en fait, un enfant. Un enfant, c'est l'innocence, c'est la pureté. Et une fois qu'on a souillé l'innocence et la pureté, bah, c'est foutu, quoi. Donc moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Alors, on va voir un peu ce que mon Dixit me dit. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Alors, je ne sais pas, je prends ça au pif. Hein. Enfin, moi, j'ai plus de 400 cartes, là. Je dois en avoir pas loin de 500. Donc, en fait, c'est vraiment l'idéal. Enfin, l'idéal, pour ceux qui peuvent, hein, c'est de partir, quoi. Changer de pays. Hein. Faites comme vous voulez. Les enfants, c'est plus important que tout. Absolument que tout. Ça m'énerve, les gens qui n'ont pas compris ça. Il faut être prêt à tout laisser, à partir pour le bien de vos enfants. Et les gens qui sont encore dans le matériel, ah ben oui, mais je peux pas, j'ai un métier, j'ai. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous êtes responsable de vos enfants. Voilà. Vous êtes responsable de vos enfants. Vous êtes les gardiens de vos enfants. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette perversion qui va être enseignée aux enfants. Alors là, on a des œufs. Oups, oups, oups. Attendez, ça va se casser la figure, je sens. Alors des œufs, ouais. C'est bizarre parce qu'il y a des cheveux. Je me demande si c'est pas des poux, moi. Quand je vois la carte comme ça, j'ai des cheveux là à côté. Et là, ça fait penser à des cheveux. C'est curieux. Des parasites, quoi. Des poux, c'est des parasites, hein. Ouais. Bon, ok. J'ai la notion de parasite. Ok, bon. Ah, il y a deux fois les cheveux, quoi. Bon. Je veux pas dire, hein. Ah, bah tiens, regardez. Voilà. C'est un non-retour, hein. C'est ça, en fait, hein. Attendez, j'arrive parce qu'il y a tellement de cartes que il faut que j'y aille doucement, sinon je vais tout faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui arrive en septembre pour les pauvres gosses? Oh là là, quelle catastrophe.
Et on laisse faire, et on laisse faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, bon, bah ça, effectivement, il faut faire preuve de courage. Hein. Là, ça va être le bazar. Et là, alors, et quelque chose d'excessif. Oui. Ça va être excessif. Oui, ça, on s'en doute un peu. Attendez, je vais pousser mes cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Bon, apparemment, les gens, ils vont quand même penser uniquement à leur quotidien, j'ai l'impression. Ça, si on voit les Français, j'ai un peu peur qu'il y ait une partie des Français, vous voyez, qui sont plus dans les questions, faire bouillir la marmite, pardon, plutôt que dans les questions du bien-être des enfants. Surfer sur la vague, ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a? Des enfants qui sont punis. Le petit lutin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Attendez. Bon, bah ça, je vois les, effectivement les gens. Alors, il va y avoir des gens qui vont quand même se battre. Hein. Je vous parlais de minorité tout à l'heure. Hein. Oui. Il y a une minorité qui va vouloir se battre, qui va faire preuve de courage, vous voyez. Alors, on a peur. On a des petites ailes, là, le raton laveur. Non, mais on peut imaginer quand même qu'il va devoir sauter dans le vide. Donc, faire preuve de courage et essayer de s'en sortir hein, par rapport à cet immeuble qui brûle. Parce que là, les enfants sont, vous voyez, emprisonnés, ligotés. Il va falloir vraiment se battre. C'est un peu ça que j'ai sur mon Dixit, moi. D'accord. Ouais. Donc, il y a quand même des gens qui vont essayer de se battre, oui. Mais, vous voyez, ça, c'est Illuminati. Je vous avais dit tout à l'heure, hein, c'est la carte des maçons menteurs qui est sortie. Enfin, je les appelle comme ça, moi. Les MM, les maçons menteurs, hein, qui est sortie, voilà. Ils ont tout prévu. Ils vont libérer le chaos. Ouais. Ben, c'est normal. Si vous détruisez les enfants, vous détruisez la famille, forcément. Et vous détruisez toute la structure de la société. Et vous détruisez le futur. Hein. Ouais. Bon. Voilà, vous avez également là tout qui va être vacillant. Bon, ok. Alors, regardez ce qu'on a sur surfer sur la vague dans le chaos. Ouais, bah, voilà, c'est ce que j'avais tout à l'heure avec le vandalisme, là, le pillage. Ouais, ça va pas être évident de surfer sur la vague. Parce que là, j'ai le chaos et là, j'ai les pots cassés. Hein. Il va y avoir des dégâts. Ça, c'est les dégâts. Et ça, c'est bien les enfants. Hein. Vous voyez, les petites filles, là. Avec ses petites lunettes, hein. Les enfants innocents. Bon, ben là, on a Superwoman, hein, donc ça, c'est peut-être les mamans louves, pourquoi pas. Je dis, il y a des gens qui vont vraiment vouloir se battre. Alors, est-ce que les gens qui vont se battre vont réussir à faire quelque chose? Alors, il va y avoir des menaces par rapport aux parents qui vont vouloir défendre leurs enfants. Je vous vois là, ok? Comme d'habitude, je sors la carte du diable. Ça ne m'étonne pas, bien que je ne savais pas qu'elle était dans cet état-là. Puisque ici, vous avez quelqu'un voilà, qui vole, avec les cornes là, vous voyez, qui a volé quelque chose et qui s'enfuit. Et là, vous avez une espèce de monstre. Bon, alors, donc les parents ne vont pas réussir, parce qu'on voit bien que le diable est à la manœuvre ici. Hein. Voilà, et vous les avez encore là, décidément. Toujours les mêmes. Hein. Alors, quelle est la solution? Est-ce que mon Dixit peut me dire quelque chose là? Attendez, je vais chercher une carte par là. Bof, ça bougera pas. Hein. Vous voyez les escargots qui se battent dans l'arène, c'est que pour que les choses changent. Alors, il est possible qu'il y ait des gens qui portent plainte, hein, mais vous voyez, il y a la lenteur ici. Donc, les choses ne bougeront pas. Non. La grâce. Alors, on va regarder. La grâce. Alors ça, c'est curieux parce que là, j'ai quelque chose qui disparaît. Qui disparaît. Qu'est-ce qu'il y a à faire là, Donald? Moi, pour moi, D, c'est Donald. Alors, j'ai une grâce qui disparaît. Oui, d'accord, ça j'ai déjà dit, je sais, mais pour l'instant, je ne vois pas ce qu'il y a d'autre. Tiens, c'est marrant ça. Attendez. Ah ben voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure que les gens étaient contrôlés par la soupe. Regardez ce qui sort. J'ai cette carte-là qui sort, vous voyez. C'est fou quand même, hein. Mon Dixit, il est vraiment génial. Vous avez vu ça? Les petites abeilles, là, avec leurs petits dards.
Bon, vous avez compris, hein. Donc voilà, je vous parlais des ondes tout à l'heure. Eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui est en train de souffler dans une espèce de trompette, qui envoie des petits dards. Alors on peut y voir, pourquoi pas, les ondes qui sont envoyées sur les gens qui ont pris la petite piquette. Pourquoi pas. Ça peut être aussi, évidemment, une nouvelle campagne de soupe qui va arriver. Mais là, la grâce qui disparaît. Alors, ici, on a des choses intéressantes. Je ne m'attendais pas du tout à sortir ça. Mais alors, pas du tout. Là, j'ai Donald, le capitaine. Alors, on l'appelle le capitaine. Je ne savais même pas qu'il y avait une carte qui pouvait tellement bien lui parler de lui. Parce que vous avez les dés. Alors, ça, pour moi, c'est Donald. Hein. Le capitaine, les gens l'appellent le capitaine. Et il est bloqué quand même. Hein. Vous voyez, le sous-marin, il est dans la baignoire. Hein. Bon, là, moi, je le vois quand même en situation difficile, Donald. Hein. Ils vont pas le laisser revenir au pouvoir, mais je pense quand même que lui, il va essayer de faire des tentatives pour désarmer la situation qui, comme vous le savez, est en train d'escalader. Moi, j'ai quand même peur vraiment sur l'automne. Hein. Je vous dis, j'ai des mauvais aspects. Hein. Si un truc qui se passe, ce sera sur l'automne. En tout cas, lui, il intervient. Alors, il arrive au même moment parce qu'on parlait de septembre, voilà. Donc, on doit être dans ces eaux-là, hein. Septembre, octobre. Ça va vraiment chauffer. Bon, ça, c'est encore les ados. D'accord. Et là, il va essayer d'intervenir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, ça va peut-être partir sur autre chose. Hein. Ouais, protection des enfants, vous voyez. Les ados, les enfants, les jeunes, quoi. Protection des enfants. Ouais. Alors, moi, je sais qu'on peut dire beaucoup de choses sur Donald. Il est ceci, il est cela. Bon, ok. Mais bon, il faut voir les actes du monsieur. Et ces actes, il a quand même fait tomber. Comment il s'appelait le milliardaire là, avec son île d'Elolita. C'est lui qui l'a fait tomber. Hein. Il faut rendre quand même justice. Il faut rendre César ce qui appartient à César. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Donald qui a fait tomber Epp. C'est lui. Voilà. Il n'était pas obligé. Hein. Il aurait pu fermer les yeux. Non, c'est lui. Ensuite, il y a bien eu cette opération où il a été effectivement délivré des gosses dans les tunnels. Ça aussi, on a des reportages, des documentations. C'est plus sur Odyssée, d'ailleurs, il me semble. Ça aussi, ça a été confirmé. Bon. Donc, c'est quand même des points à sa faveur. En tout cas, là, je vois qu'il y a vraiment une action pour un désarmement. La carte, elle parle d'elle-même. Hein, et pour protéger les enfants et les jeunes. D'accord. Bon, ça va beaucoup bouger sur l'automne. Aïe, 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 aïe. Bon. Alors, pour le reste, ben, la solution, à mon avis, ce que je vous disais, c'est partir. Hein. Voilà. Là, alors, il y a aussi les histoires d'étoiles. Alors, attendez, on va regarder. Je pensais que c'était la barque, moi, donc j'étais en train de penser à partir. Ah ben, ah, c'est pas vrai. Écoutez, je vous assure, croyez-moi sur parole, j'ai pris ce tas-là au pif. Voilà, au pif. Et sur quoi je sors? Sur l'Antéchrist. Non, mais vous savez que c'est quand même phénoménal, hein. Bon, bah, il est en route, hein. Voilà, avec les petits dragons, là. Alors les dragons, hein, bon, vous savez ce que c'est le dragon? Le dragon, c'est le diable, hein, d'accord? Dans la Bible. Hein. Bon, voilà, ils sont en train de fêter leur victoire. Je suis désolée, moi on va vers ça. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais au moins croyez les prophéties. Ouais. Ça va être compliqué hein, pour garder la lumière, là, vous voyez. Bon, ok. Donc pour les gosses, c'est ce que je vous disais en fait. Il n'y a pas de solution. Hein. La seule solution, c'est de partir, quoi. Prendre vos gosses, prenez vos gosses, pardon, prendre ces gosses et partir. Voilà. Parce que sinon, vous voyez, ce personnage-là, moi, je ne l'aime pas, il n'est pas sympathique. Sinon, c'est de l'autodestruction, quoi. C'est maléfique, hein. Alors après, il y a autre chose qui arrive. Là, c'est quoi? Tiens, les enfants. Les enfants, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là sur les enfants et le film? Le faux Graal. Bon, alors après, je ne sais pas de quoi il me parle. Attendez, je vois ce que c'est. De quoi il me parle là? Un personnage qui se transforme. Un personnage qui était avec des jambes noires et qui devient blanc. Donc, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Un faux Graal. Ouais. Ça, c'est les mères bien intentionnées, les mamans éveillées, et ça, c'est les enfants qui sont intelligents. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là, là? Tiens, tiens, c'est marrant, j'ai les militaires qui ressortent, moi. C'est fou, ça fait.
Ouais, j'ai les militaires. Il va y avoir quelque chose sur l'automne. Non, c'est pas possible. Regardez. Bon. Alors, le faux Graal, ça peut être évidemment le faux Messie. Et vous voyez, cet homme-là qui a les jambes noires et qui apparaît comme étant couvert de j'allais dire de lumière, qui apparaît en étant lumineux. Moi, je vous dis, ça peut être l'Antéchrist, hein. Quelqu'un qui, en fait, qui n'est pas ce qu'il semble être avec le faux Graal, donc le faux Messie. Oui. Bon, là, c'est plus les mamans qui doivent absolument. Alors, l'école à la maison, j'ai vu que c'était galère. Hein, j'ai regardé l'émission, encore une fois, de géopolitique. Mais ça peut être ça, en fait. Ça peut être une des solutions, à condition. Alors, ça, c'est un petit tuyau que je vous donne, parce que c'est pas moi qui. Ça vient pas de moi, ça vient de Madame Farida, qui disait que la seule solution pour faire l'école à la maison, c'est d'être dans un coin perdu, où vous n'avez pas d'école, où l'école est la plus proche est à 50 km. Voilà. Bon, donc ça peut être un argument recevable pour que vous puissiez avoir l'autorisation de faire l'école à la maison. Mais sachez que l'école à la maison, maintenant, elle est subordonnée à une autorisation par l'administration qui vous dit oui ou non. Et la plupart du temps, bah, c'est non. Forcément, on se demande pourquoi, hein. Et donc, pour avoir être sûr d'avoir un oui, eh bien, c'est ce que je vous disais. Il faut vraiment être dans un bled perdu et dire, eh ben, je ne peux pas faire autrement parce que l'école, elle est trop loin, voyez? Et là, vous aurez normalement l'autorisation. Bon, alors, j'ai quelque chose sur l'hiver, là. Alors, c'est quoi, ça? Alors là, je sais pas ce que c'est, là. Des inondations, là. C'est quoi, ça, sur le printemps? Alors, printemps 2000... Qu'est-ce que le printemps? La fonte des neiges, hein. Ouais, donc, c'est vers janvier-février. Qu'est-ce qu'on a, là? Oh, bah, on sent de bonsoir. Bon, bah, il continue, hein. Je suis désolée, hein. Là, on détruit la vie. Vous avez vu ça? Cette carte-là, elle est horrible. Vous avez le bûcheron, là, vous voyez? Ce sont des femmes. Belle carte, hein? Carte magnifique. Ce sont des femmes qui sont des arbres. Voilà. Et le bûcheron, là, il est parti pour, voyez, pour détruire les jeunes pousses. Donc, c'est les destructions. Bah, c'était souvent des petites filles, tiens. Enfin, des futures femmes, quoi. Oh, bon sang, mais il faut les arrêter, quoi. Ah bah tiens, vous voyez, regardez, c'est incroyable ce jeu. Ah, j'adore le Dixit. Bon, bah voilà, quoi, c'est tout. Donc le plan continue. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que ça va faire trop long, comme d'habitude. J'arrive pas à m'arrêter. Mais enfin, je vous ferai remarquer quand même que moi, j'ai l'Antéchrist qui est sorti. Hein. Voilà. Il est là. Alors, à ceux qui ne croient pas plutôt, ben, je vais vous dire un truc. Allez regarder les vidéos du docteur Pierre Gilbert. J'en ai parlé au moins 50 fois. Mais c'est vrai que lui nous le dit, hein. Preuve à l'appui, il nous explique tout ce qui se passe. Et franchement, moi, je le vois arriver. Alors, quand je dis je le vois en astrologie, oui, je le vois arriver. Bon, donc la solution, je vous ai dit, c'est faire le chapelet. Et puis, si vous n'êtes pas baptisé, bah, allez le faire vite, vite. Hein. Allez vous confesser. Prenez encore tout ce qui est les sacrements. Donc, c'est évidemment l'hostie, c'est l'Eucharistie. Parce que c'est important, ça vous change à l'intérieur. Enfin, moi, je remarque une nette différence, vraiment, vraiment, par rapport à la personne que j'étais bah, avant que je fasse ma communion et tout. Parce que je vous ai dit, hein, je viens d'une famille athée. Hein. Donc, il a fallu que je fasse ma propre éducation religieuse. Et donc, bah, j'ai dû faire ma communion il n'y a pas très longtemps. Ce qui m'a permis, évidemment, ensuite, d'avoir accès à l'hostie. Et ça change énormément de change à l'intérieur, je vous assure. Bref, voilà. Donc, il va arriver. Donc, vous savez quoi faire. Et pour les enfants, vous savez quoi faire aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à bientôt. Au revoir.